C'est pas la mission la plus passionnante celle-là. C'est peut-être même celle que je considère comme la plus chiante. Mais bon, on va récupérer les bleus, c'est toujours ça. Donc les missions de récupération de l'arbin, vu que je sais ce qu'ils font, je m'en tamponne un peu quoi, je préférerais qu'on les gagne. Suivez-les. Et pour vous, ça peut être un petit peu intéressant de voir vite fait leur capacité. Ah voilà, les fameux piaf. On va les voir longtemps. Là. Non. Les bleus ne sont pas de bons combattants. Mais ils raniment les larbins morts. Wouh, ça c'est cool. Les bleus peuvent traverser l'eau, Seigneur. Utiliser leur capacité. Voilà, voilà. Donc les bleus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent pas soigner les blessés. Donc ils peuvent pas me régénérer de la vie ou ce genre de truc. Mais ils peuvent soigner les morts. Ce qui est très pratique hors combat. Parce qu'en plein combat, je peux vous dire que ça fout encore plus la merde. Un mec meurt, un bleu y va. Sauf que comme les bleus sont des grosses merdes, mais vraiment des grosses merdes niveau armure, ils meurent en 2 secondes. Et au final, tu te retrouves avec 2 fois plus de cadavres sur le dos. Alors ces oiseaux-là... Pour l'instant on les combat, mais on va pas les combattre souvent. Mais par contre on va souvent les utiliser, tiens, vous allez voir. Voilà, en fait ils ont des œufs, ces oiseaux. Et ces œufs vont nous être utiles. Et les bleus donc peuvent traverser l'eau. Ce qui les rend donc super pratique. Passer par là les mecs. Non, par contre du coup j'ai trop d'armes, je peux pas récupérer les bleus. Ah, j'ai pas assez d'orbes bleus en fait. Amenez-le à la tour, mais tout ce monde rentrera à la maison. J'ai pas assez d'orbes bleus pour prendre le truc bleu et le mettre pour sortir de l'eau. Ce qu'on va faire, ce cœur. Sous l'arbre. Ah bah voilà mes orbes bleus. Ils sont coincés de leur main. Alors, voilà, justement, on va voir tout de suite. En fait, là, c'est un double... Comment dire? Un double tutoriel. C'est le tutoriel des bleus et des... Ah bah, il l'a dit, ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'on va faire, on va se débarrasser... d'un vert... d'un rouge... Puis on va prendre 2 bleus. Voilà les bleus. On va prendre 2 bleus parce que comme ça il y en a un qui pourra soigner l'autre. Voilà, donc là le truc à faire c'est super simple. C'est qu'on leur dit tous. Elle est là. Sauf 2 mais c'est pas grave. Des bleus. Revenez les bleus, revenez les bleus. Donc en fait, quand on s'attaque aux œufs de ces piafs, ils réagissent direct et ils protègent leurs œufs, ce qui est normal. Et donc vous allez voir que du coup, on peut... Par équipe, par équipe, par équipe, par équipe, voilà, à l'attaque. Donc voilà. Ah merde, il reste des piafs. Ce qu'on va faire. Hop, et tout. Donc là vous voyez qu'on peut bien mélanger les attributs des verts et des bleus, les bleus attirant ces œufs qui généralement se trouvent dans des zones accessibles que par des bleus. Je sais même parce que c'est un gros piège en fait, parce que les bleus c'est ceux qui n'ont pas du tout de et les capacités des verts qui permettent de se rendre invisibles. Voilà, ils sont morts vos oiseaux. Du coup les bleus sont libres. Super. Alors, il va me falloir 10 bleus, donc de toute façon ça va juste être juste le moment de ramener l'incubateur. Pareil, les bleus on les perd très vite parce que ces cons s'attaquent à l'environnement hein, comme les autres. Le problème c'est que ces cons aussi sont absolument pas puissants. Et donc vous voyez, bah voilà, ils s'attaquent à l'environnement. Oh, yeah. Ok, stop. On va renvoyer quelques bleus, on va en garder 4. On va amener des verts. On va amener des bruns. Voilà. Et là tout le monde peut porter ce bousin. Attendez, laissez-moi passer devant les mecs. Voilà.
Par contre maintenant, ouais. Ah cool, des scarabées. Scarabées bleus. De la vitalité bleue, seigneur. Je pense que vous avez compris son usage. Oui. J'aime bien quand je ne prends pas pour un con. Ah merde, j'aurais dû garder mes 10 bleus. Le problème c'est que si je garde mes 10 bleus, ça va être chiant. Non, merde, je peux plus passer. Ah si. D'accord, je peux passer à travers les plantes. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va ramener les rouges. On va ramener les verts. En fait, les bruns, j'en ai tellement que... Ok, Rabuzatam. Alors, des bleus. J'ai combien de bleus? Ouais, bah, on va en garder 10. Hein. Pas besoin. Pas besoin d'une armée, bien. Mais... Ah, voilà. Les bleus, prenez ce cousin. Tous, après tout, c'est votre merde, vous la portez. C'est bon. Oui, avancez. Ah merde, faut déplayer. Déplayer ce bizarre. C'est bon, c'est déplayé, vous pouvez avancer maintenant. Comme ça. Alors, je sais pas pourquoi ils viennent de mettre la musique de tour ici. Non mais le larbin. Oh là là, mais vous êtes con. Mais vous êtes con, c'est pas possible. Non, les larbins bleus, arrêtez d'avancer. Eh, le larbin brun, tu me gonfles, mais d'une force. Venez là. Là, vous traversez tous cette merde. Mais pourquoi vous ne traversez pas, bordel? Voilà. Oh là là, ça m'énerve ce système à la con. Avec les deux clics et tout. Bon. Je veux pas trop que les bleus avancent. Ah, les lucioles. Alors les lucioles, c'est des êtres purement magiques. Et ça permet de voir la dernière possibilité qu'ont les bleus. C'est que les bleus peuvent s'attaquer aux êtres purement magiques. Comme les elfes morts qui sont en forme de fantômes. Et les lucioles, elles, qu'est-ce qu'elles font? C'est pas des ennemis très puissants, mais faut s'en méfier. Puisqu'elles attirent les autres larbins dans des endroits dangereux. Genre la flotte. Et les bleus sont bien sûr insensibles à leur charme. Ce sont des objets, enfin des animaux purement magiques. C'est bleu, bah la magie, ils en ont rien à foutre là. Il est où le 10ème bleu, sérieusement? Il est allé faire un truc, je le vois, il est pas dans les... Des verts. Quoi? Mais... Des bleus. Des bitous. Compris. Tous. Des bras. Non, non, laissez-moi passer devant, sinon... Et attendez, avancez pas trop. Mettre des bleus, fontaine de mana. C'est la mana, j'en ai rien à foutre. Cassez-moi tout ce moment. Bon, c'est cool si mes bleus meurent. Alors les bleus peuvent s'équiper aussi. Mais ils ont un équipement de merde, pour me dire. Je crois, de toute façon, ils meurent quasiment presque d'un coup de n'importe quel ennemi. Ça veut dire qu'ils sont vraiment pas puissants. Un coup ou deux, et en attaque, ça sert à rien. Ah, les ennemis magiques. Ah oui, oh non. Je hais cette énigme. Regardez, alors il y a deux geysers qui me bloquent le passage. C'est des déferres d'eau chaude. Hop, voilà. Ce sont des geysers d'eau chaude. Mais l'arbin ne peut pas passer, même les bleus. Enfin si, mes bleus peuvent passer, je pense. Mais je pense pas que les geysers sont trop puissants là-bas. Et donc voilà, l'énigme à la con qui va me faire faire plein d'allers-retours. C'est-à-dire... Voilà, j'ai libéré un geyser secondaire et du coup ça a libéré le geyser principal. Et donc il faut que je libère un deuxième geyser secondaire. Alors voilà. Là c'est la séquence où si je fais pas gaffe je risque de perdre mes larbins bruns. Je vais les lisser au plus vite. Non, regardez. Ah là là les salopes. Ah non, cassez-vous. Cassez-vous. Laissez mes larbins bruns tranquilles, donnez-moi vos trucs de mana. Vous voyez, je peux pas la taper. Je crois que je peux la taper si j'ai une masse de feu.
Mais ça sert à rien parce qu'on va quasiment rien voir en monstre magique. Purement magique. Par les lucioles, les elfes qui sont même pas méchants. Les elfes sont pas méchants, ils pleurnichent dans leur train. Oh, des morts, oh, Béron, il est méchant. Il faut mieux attaquer avec les bras. Ce des bleus, s'ils attaquent ces oiseaux, c'est fini en massacre. C'est pas le but d'âme. Oh loup! Et maintenant je peux passer par la magie de la physique. De la thermodynamique, certains me diront. Bon. Ils sont fous. Bon, tududou. Retour maison. Hop. Alors, là bien sûr il sert bien tout le tour pour que les armes ne se perdent pas. Bien sûr les petits champignons. Bon allez hop, hop. Vous avez qu'à faire 2 mètres comme moi, hein, bande d'abrutis. Allez, reprenez votre, votre truc, c'est bizarre. Enfin, je crois que c'est des œufs. Ça ressemble à des œufs. Donc, les larbins naissent dans des œufs. C'est des œufs qu'ils mangent. Ah, ouais. Où c'est qu'il faut aller? C'est très joli ces grottes, hein, mais c'est long. Oh non! Oh non, 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 non. Merde, tu savais que j'aurais pas dû prendre tous les larbins bleus. Fuck. C'est un massacre. Ça va vraiment être un massacre. Mini boss. Une hydre. Je sais plus le nom en fait. Qui vient de tuer un bleu et de replonger. Un triton, pardon. Ouais, alors là, le problème avec cette merde. Ce qu'on va faire, on va mettre les bleus ici. Et on va l'attaquer qu'avec les brins. Mais j'ai que 5 brins. Et ce truc là est super puissant et dangereux. Mais quand je dis super puissant et dangereux, vous imaginez à peine. Allez. Alors faut pas que les brins tombent dans l'eau en fait. Ce qu'ils ont tous fait. Super. Foncez, foncez les larbins bleus. Allez, sauvez vos potes. Non, le triton. C'est un massacre. Regardez, il ramène autant de bleus que de bras. Viens m'affronter, sale merde. C'est moi, ton maître. Non, 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 non. Ramenez tous les bras, dépêchez-vous. C'est bon, vous êtes assez loin. Revenez, revenez, revenez tous. Oh mon dieu, j'ai perdu combien de troupes dans la bataille? Deux bleus. Des bleus. Alors, ce qu'on va faire, oh là là, pff. Oh non, mais c'est un ça va être un massacre organisé de bleus, vous allez voir. Restez là, les bleus, vous serez bien. Alors, j'envoie un brin, je le rappelle, et j'attaque. Non, revenez les larbins bruns, revenez, non. Oh oui, ils ont réussi à revenir sur la terre ferme, sauf un, je crois, qui est en train de se noyer. Vite, 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 attirez l'attention du triton. Reviens, 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 reviens le brin. Non, 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 non. Récupérez vos potes en train de mourir. C'est un massacre. Ah, les bleus sont morts. Non. Je hais les tritons, je les hais tellement. Et c'est même pas la séquence la plus dure contre un triton. Il y a un moment où c'est intenable. Revenez, revenez, revenez. Vous noyez pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en faire autant. Allez, on attaque. On attaque. On attaque. Retour. Non, il se fait bouffer. Tuez cette merde. Revenez vite, revenez vite. Je crois qu'il en tient dans sa... Non. Puis lui en plus, quand il les bouffe, il les déchèque. Les diche, des shit. Ça veut dire qu'ils sont irrécupérables. Ils sont morts, enfin ils sont morts. Non, il bouffe celui-là aussi. Tuez-le vite. Oh oui. Rassemblez vos larbins et sortez cet incul. Oh là, j'ai perdu 4 bleus dans la baston, quoi. Et un brin.
je hais les tritons, putain, mais d'une force. Ils offrent rien en plus. À la fin, ils sont là. Oh lol, j'ai tué tout le monde. Salopard, bah. Restez là, les larbins, on vient vous chercher. Les bleus. Oula, j'ai le hoquet. Les bleus, attendez. Attendez-moi. C'est où, là? Mais attendez, revenez les bleus. 4 d'entre vous. Je crois que c'est 4 là. Ouais, c'est 4. Excellent. Bon elf. Je sais pas que se fout un pont elf vers le pont, vers le truc du paradis. Juste un détail. Les bleus. Incubateur, torteur, il m'emmerde une fois que ce boss je n'aime pas. Des bras. On se garde autour. On sait. C'est pas fini. C'est pas fini pour autant. Ah, joli. Joli ici. Ah, énorme bleu. Ah merde, hein. Non, n'avancez pas les bleus, j'aime pas quand vous êtes devant. Si un truc nous tombe sur la gueule, vous êtes mort, instant. Ah, y'a pas d'autres tritons, il me semble. Ah, des crapauds! Des grenouilles! Plein de grenouilles! Ah, là, c'est des petites grenouilles. C'est des grosses grenouilles. Oh, comme lui là-bas! Waouh! 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 Grosse grenouille! Il a bouffé un des nôtres! Vite avant qu'il le digère! C'est bon. Les grosses grenouilles sont pas très dangereuses, c'est juste qu'elles vous bouffent un larbin. Parfois ça peut être un larbin utile, mais généralement on en a plusieurs, donc c'est pas très grave. Non, bah non, il l'a digéré. Oh non, encore des geysers. Ah ouais, mais là c'est chiant. Je vous conseille d'utiliser votre étendard de garde-vie pour guider prudemment vos larmes. Ça, c'est chiant, je peux vous dire. Oh là. Les larmes bouillies ne valent rien. Ouais, je sais. Des bleus. Oh là, il y a vraiment des séquences super chiantes. Alors les bains. Un seul. Faut que je regarde où spawn. Les geysers. Allez go. 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 Go, go, j'ai dit. Voilà, bon, j'en ai envoyé qu'un. Donc ça va être long. Je vais peut-être accélérer. Ou je ne sais pas quoi. Après, faut aller où? Ah ouais, non, ça ouvre le pont, en fait. Ça ouvre le pont. Alors lui, pour revenir, par contre, je lui souhaite bonne chance. D'ailleurs, on va voir s'il peut revenir tout seul. Allez, on va voir si t'as les couilles et si tu peux revenir tout seul comme un grand sans crever. Revenez tous. Ah mais il revient par le pont. C'est bien. Ça lui évite une mort douloureuse dans l'eau bouillante. Comme un putain de homard. Détruisez-moi ces champignons. Il y a un truc pour faire spawn le rouge. Fais spawner un rouge. Si j'ai encore. Non, avancez. J'aime pas. Il y a des lucioles. Help me. Voilà, on s'en débarrasse des lucioles. Ouh, je fuck is that. De l'or. Il y a un crapaud là. Alors l'or, on va aller le ramener en dernier. J'ai dit on va le ramener en dernier, les mecs. D'accord, mettez-le du passage, comme ça on peut plus passer. Par là. Non. Ah, ils sont chiants. Allez, bougez-le, votre tas d'or. Bougez plus. On peut se passer. Ah, je peux faire revivre des brins. Bon plan, mais je le sens pas, là. Des rouges, des brins.
Oh non, des geysers encore, purée, sa mère. J'ai vu le truc à geysers tout à l'heure. J'ai vu mais j'ai pas... Je me suis pas dit, oh, ça va être la merde. Putain, pied crapaud, bien sûr. Oh, t'as... Oh oui, apparemment. Passer par là les bleus. Attendez. Les bruns, les rouges, vous rentriez à la maison. Maison. Maintenant les bleus. Vous prenez votre merde là. Vous prenez cette autre merde. Génial! C'est fait! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Quand la cascade a disparu, a explosé en fait. Excellent. Ça m'a donné à peu près 500 d'or. C'est la sortie par là, ouais. Eh bien non, fuck it, on retourne à la tour! Et on va s'arrêter là-dessus. Bah tant mieux, tiens, mais... Bah parfait, mes deux épisodes concordent exactement comme je voulais. Silence, maintenant. Bon. Allez là-bas, comme d'hab, hein, il me sera tranquille. Voilà, mon armée est au total. Il y a les bleus, il y a les verts, il y a les bruns, il y a les rouges. Yeah. Et j'ai récupéré mes 4 pouvoirs. Tiens, ils voient au-dessus. J'ai récupéré une maîtresse. J'ai réparé ma tour, donc il me reste plus qu'à m'occuper des 7 héros, en fait, tout simplement. Et aussi de récupérer encore mes forges, ou ce genre de trucs. Donc c'est bon, voilà, mon armée est rétablie, j'ai fini un de mes objectifs principaux, c'est cool. Maintenant, on va falloir s'occuper d'Oberon dans la forêt. On va pouvoir retourner à la forêt dans les prochains épisodes, puisque maintenant que j'ai les bleus, je vais pouvoir déblayer les zones qui m'emmerdent. Donc voilà. Ce Melfi, quelle explosion! Je crois qu'il vous en reste un bout collé sur votre casque. Oh, ce sont des tripes. Laissez-les là, ça vous va. Ah, les tripes de Melvin sur mon casque, dégueu. Bon, voilà, c'était Cyanure. Pensez à vous abonner, tout ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes d'Overlord. Où je pense que la semaine prochaine, on ne s'occupera pas encore d'Oberon. Je vous avais dit qu'on verrait sûrement des nouveaux héros bientôt. Mais comme j'ai changé un petit peu mes plans, j'ai préféré aller récupérer les bleus avant. On les verra la prochaine fois. Allez, salut !